Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de cette carte mère, la Asus ROG Strix B550A Gaming. Une carte mère qui fait dans la sobriété, on est sur un PCB noir mat. Après, on a tous les éléments qui sont ou blancs ou en aluminium, donc gris, blanc, fond noir. C'est ultra joli comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. L'alimentation, on se veut plutôt milieu de gamme. On a pas moins de 14 phases d'alimentation pour le processeur, un équipement complet et un tarif qui est juste au-dessus des 200 €. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging et pour une fois on est chez Asus ROG, mais on n'a pas de rouge et du noir. On est sur un packaging qui est gris clair, blanc et gris foncé. On retrouve les marquages ROG Strix B550A Gaming pour la référence de la carte mère. Ensuite on va voir toute la flopée de logos Asus, Ryzen 5000 Ready, Ready pour les Ryzen même 3000, chipset B550. On est bien sûr avec de l'AMD Crossfire. On a également le RGB par Asus qui est géré, le PCI Express 4.0 également. Continue avec le packaging plutôt complet. On va voir la notice d'utilisation des autocollants Asus ROG, une petite carte, un petit porte-clés. Ensuite, on va voir les petits points en mousse pour pouvoir faire reposer les SSD M2 sans qu'ils touchent aucun composant électrique. On va voir le DVD avec les pilotes, les utilitaires. On va retrouver 4 câbles SATA, la visserie pour les M2, un câble pour la gestion du RGB, des petits colliers et Nono, le petit robot, qui lui n'est pas inclus dans le bundle. Allez, on se lance à la découverte de cette très belle B550A Gaming par Asus. Très belle parce que le mélange est tout simplement très joli. On a un PCB noir mat sur lequel viennent se greffer différents radiateurs en aluminium qui sont texturés différemment. Un coup c'est brossé, un coup c'est sablé. On a quelques marquages blancs ici et là. Vraiment, on a un très beau mélange et ça nous donne une très belle carte mère. Ensuite, autour du socket AM4, on va retrouver 14 phases d'alimentation. Elles vont être alimentées par un 4 pins et un 8 pins. Ensuite, on va avoir 4 DDR4, 128 Go de mémoire maximum, 32 Go par canal. On pourra monter à 4600 en OC. On retrouve également deux premières prises fan, par exemple ici. Ensuite, on va avoir le 24 broche ATX, l'USB 3.2 Gen 1, 6 SATA ici, le chipset sous son radiateur en aluminium, ce qui fait que du coup on vient s'intéresser à la partie PCI Express. On va avoir ici un M2 PCI Express 4.0 4X géré par le processeur, puisqu'on est sur du B550. Ici on va avoir un PCI Express 16X 4.0 géré par le processeur une nouvelle fois. Ensuite, toute la partie basse va être gérée par le chipset avec 3 PCI Express 1X à la norme 3.0. Ensuite, on va avoir un PCI Express physique en 16X câblé en 4X. C'est difficile. Le tout en PCI Express 3.0. Enfin, on va avoir un nouveau M2, lui aussi en PCI Express 3.0 et câblé en 4X. Ensuite, on va avoir tous les borniers ici pour les USB, les power on, les reset. On a de nouveau pas mal de prises fan. Une ici, une là. On en trouve également deux juste au-dessus de la partie de la carte graphique. Enfin, sur le côté gauche, on va avoir la partie audio. Donc pour la partie audio, on est sur du ROG Supreme FX 7.1 Surround High Definition Audio en codec S1220A. Avec bien sûr, on a du 120 dB SNR pour tout ce qui est casque. Avec du 113 dB SNR également pour pouvoir enregistrer. Bref, plutôt une bonne partie audio. À l'arrière de la carte mère, on retrouve le PCB noir mat et on a plein d'inscriptions Asus Republic of Gamer en blanc. C'est subtil, c'est fin, il n'y en a pas trop, ça fait plutôt plaisir. On passe maintenant à l'arrière, on retrouve une backplate blanche comme le dispositif qui est juste au-dessus du radiateur, donc c'est plutôt harmonieux. On va avoir ici le bouton pour le BIOS flashback. Ensuite, on va avoir 4 USB dont deux classiques, deux en USB 3.2 Gen 1. Ensuite, on va avoir le type C en 10 gigabits, donc en USB 3.2 Gen 2 avec un type A, un type C. On retrouve ensuite de nouveau deux USB 3.2 Gen 1.
Au-dessus, un Ethernet en 2,5G géré par une puce Intel en 225V. Enfin, on a la partie audio en 7 points avec une sortie optique avec une puce ROG Supreme FX. Du coup, on en termine avec ce modèle ROG Strix B550A Gaming qui est proposé à un tout petit peu plus de 200 euros dans le commerce. On en termine donc avec la carte mère allumée. On peut vous dire qu'il n'y aura pas grand chose à voir puisqu'on n'a pas de RGB sur ce modèle, même si on a la gestion du RGB, hein, ça n'a rien à voir entre les deux. Ça restera donc intégralement sobre, sans diffusion de couleur autour du chipset ou autour du radiateur de la partie haute. Le RGB sera produit par les autres éléments, comme avec nous, avec notre ventilateur CPU ou encore nos deux barrettes mémoire. Sur ce, Nono le robot vous dit à très bientôt et moi je vous donne rendez-vous prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et du hardware. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.